Pour ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur le Time Editor de Maya dans le module animation, donc qui a eu quelques caractéristiques ou fonctionnalités qui ont été rajoutées dans la version 2018, sur lesquelles donc on présente ici le Time Editor. Donc le Time Editor permet d'associer donc un ensemble de clips d'animation, animations qui auront été réalisées soit dans Maya en keyframing par exemple, ou qui auront pu être importés donc par exemple au format FBX d'une banque donc d'animation. Donc ici, pour montrer donc les différentes possibilités du Time Editor, on est venu donc charger des clips d'animation au format FBX pour les deux personnages pour réaliser donc cette petite séquence ici que l'on voit. Et au-dessus, on voit donc l'association sur les pistes, donc les tracks, ici, track 2, 5 et ainsi de suite, des différents clips qui vont se fusionner, comme on peut le voir avec donc les diagonales, ici, les deux clips et les diagonales descendantes, ce qui va permettre donc de pouvoir passer d'un clip à l'autre de manière assez souple pour associer donc différents mouvements que vont réaliser donc ici nos personnages. Donc on va reprendre une scène simple avec un cycle de marche et pour voir comment fonctionnent les différents modes d'édition avant de revenir donc sur une scène un peu plus complexe. Donc ici on va reprendre une scène avec un des deux personnages. Ici donc alors on peut le renommer Vanguard. Ok, ici on va avoir donc ici un hips, ok, donc ou un route du Vanguard, ok, ici, hop, voilà, et on va pouvoir donc associer en sélectionnant donc le squelette au niveau du route ici, on va pouvoir associer des clips étant fabriqués bien sûr avec le même type de squelette, bien entendu. Donc les banques d'animation aujourd'hui par exemple fournissent des animations normalisées qui peuvent être appliquées donc à différents personnages squelettes normalisés. On retrouve ça donc dans Maya avec une normalisation des squelettes. On peut le retrouver donc dans la partie jeux vidéo ou 3D temps réel par exemple avec Unreal Engine. On va avoir donc des squelettes normalisés aussi sur lesquels on pourra poser des clips d'animation. Donc l'animation est en train de se transformer un peu dans le sens où on va avoir maintenant avec plus de facilité des banques de clips d'animation et de séquences que l'on pourra charger pour avoir une base donc d'animation et pour en fait que l'animateur puisse terminer véritablement son animation, ensuite la personnaliser, et on aura bien sûr toujours besoin donc d'un animateur acting, je dirais, pour vraiment personnaliser son animation. Ici, on va voir bien sûr la partie technique avec le Time Editor, sans rentrer dans les détails de l'acting que l'on voit donc dans les formations d'animation ici chez nous en termes d'acting. Donc ici, on a le Time Editor avec le personnage et on va pouvoir donc sélectionner un clip. Et au début, quand le Time Editor n'a aucun clip, voilà ce qu'il nous propose donc d'importer un content from external file, donc un contenu avec déjà un personnage et une animation. Donc, ici, on a importé donc le personnage sans animation et on va pouvoir faire du drag and drop d'une animation ou rajouter donc un content de la scène, c'est-à-dire que effectivement on a réalisé une animation dans la scène ici présente et on la rajoute comme clip et donc c'est le bouton du milieu ici ou drag and drop donc un file into editor. On a les mêmes fonctions ici dans file donc import animation clip ici ou en appuyant sur la touche I et donc on va pouvoir chercher dans une liste des FBX par exemple qui est le format le plus répandu, walking donc le cycle de marche ici et je le sélectionne. Time Editor me demande comment je veux donc l'intégrer comme une séquence de clip, étant donné que j'ai déjà le personnage et son squelette, je veux juste le mettre comme séquence donc sur ce route Vanguard ici que j'ai
mis en place et je sélectionne ici donc Apply and Close comme séquence. Donc le personnage, on a vu un doublon de personnage qui est apparu parce que le cycle de marche avait son propre personnage qui était similaire. Et donc ici, donc on va faire une correspondance entre les éléments ici. On dit OK et voilà ce qu'on obtient. On obtient donc un track, un nouveau track ici, une nouvelle composition, composition 1. Donc on pourra sauver plusieurs compositions d'un ensemble donc de clips montés sur les différents tracks. Rename composition, delete composition. Donc ça c'est assez facile. On peut créer donc une nouvelle composition à côté ici, composition 2, OK, et ça fait donc une deuxième composition. On peut remonter sur la composition 1, on retrouve notre clip. Donc on a une gestion des compositions comme ça qui est dans le Time Editor très intéressante. On a assez classiquement donc les tracks, les pistes ici avec les contrôles que l'on peut faire donc en mode solo. On peut masquer donc arrêter ici le track et donc des modes de contrôle ici donc du track qui sont assez classiques donc dans Maya. Voilà, on a donc le clip ici du cycle de marche qui s'est mis en place et donc mon personnage ici donc se déplace et va s'arrêter donc assez classiquement au bout du clip ici. Donc on a différentes fonctions qui nous permettent donc de pouvoir continuer donc ici à éditer le clip. Et donc on va avoir sur la toolbar ici l'ensemble des icônes qui nous donnent les principales fonctionnalités donc du Time Editor. Donc on va pouvoir rajouter donc ici avec le plus un clip d'animation qui est dans la scène, une animation keyframing qui est dans la scène, rajouter une pause à côté, grouper ou dégrouper les deux icônes donc des différents clips. Ici on n'en a qu'un. Et puis ensuite on va avoir donc quatre possibilités ici de fonctionnalités qui permettent de gérer les clips. Donc la première fonction est ce qu'on appelle le trim ici, qui va permettre de cutter en fait en venant sur le bord du clip pour venir donc le réduire. Alors c'est pas réduire scaler, c'est pas le scale ici, c'est vraiment cut dans le sens où on va arrêter le clip. Donc le clip fait en fait 42 et on va venir le stopper donc par exemple en 27. Et donc on va perdre ce qui se passe entre 27 et 42. Donc dans le cycle de marche, eh bien, le personnage va s'arrêter, il ne le fait plus, il est en pause ici. Voilà, donc ça va permettre d'arrêter donc bien entendu le clip où on veut. Si on dépasse ici, en fait, on a les pointillés qui nous montrent que le clip s'arrête en 42 ici. Et en fait, il va rester en mode hold, comme on dit, en pause sur l'ensemble du reste, donc ici. Du clip. Donc on revient sur 42 ici pour la fonction trim. Donc justement à côté on a la fonction scale, à pas confondre avec la fonction trim, la deuxième icône ici, qui va permettre donc de changer le pourcentage, on le voit 126, 150, pour rallonger donc le clip dans le temps. Donc j'étais à 42, si je viens à 84 par exemple. Et donc je vais doubler le temps et le personnage va marcher beaucoup plus lentement, bien entendu, ici. OK, donc on voit, mais par contre il fera tout son cycle de marche jusqu'en 84, mais il le fera deux fois plus lentement ici. Et à l'inverse, 22, 42, 21, il ira deux fois plus vite. Voilà. OK. Donc on verra aussi qu'il y a des possibilités, donc en faisant bouton droit de la souris, de pouvoir donc créer des courbes donc sur le temps, retime ici, donc create and edit time warps ou speed curves ici, deux fonctionnalités assez classiques donc dans l'animation de Maya qui permettent donc de travailler sur l'étirement du temps ou la contraction du temps et sur la vitesse donc ici, travailler sur la vitesse donc du clip d'animation juste en dessous. OK. Donc ces fonctionnalités ici de Retime, juste pour terminer, permettront de travailler à l'intérieur du clip. Ici, on ne travaille pas à l'intérieur du clip, c'est tout le clip qui est scalé donc à 0,5 ou à 2. Ici, ça nous permettra
par exemple, d'accélérer progressivement donc le cycle de marche éventuellement si l'on veut. Ok. Ensuite, on va voir la fonction de loop ici. On va venir donc soit au début de ce côté, enfin en start ou en end. Donc je suis toujours en end ici. Je tire et ça va venir faire un loop ici. Un loop, donc on voit les pointillés, enfin les pointillés, les flèches, pardon. Ça va être un loop progressif ici. Donc une répétition progressive. Voilà. Ce qui va permettre donc de synchroniser la suite donc du cycle ici. Ok. On va venir donc sur l'attribut editor contrôle A sur le clip. Oups. Voilà. Ok. Hop. L'attribut editor que j'avais masqué ici. Et on va avoir donc des informations que l'on peut aussi bien sûr modifier dans l'attribut editor, soit de manière interactive, soit dans l'attribut editor. Tout est contenu, je le rappelle ici dans l'attribut editor. Donc ici, clip loop. Loop after 1.7.14, donc voilà. Et on a clip loop after mode, loop progressif. On pourrait très bien utiliser le mode loop classique, mais à ce moment-là, le cycle va repartir, voilà, de la position de départ ici. Donc si on a envie de faire repartir donc l'élément ici à son départ, eh bien on peut très bien le faire. Autrement, on a la fonction hold ici, qui elle donc va après le after donc va enlever les loops et donc bien entendu on va bloquer de manière classique le personnage restant sur place ici. Ok, donc cette fonction loop progressive a été rajoutée là dans le time editor. Elle est vraiment très intéressante dans le sens où c'est rapide donc de venir surtout pour le cycle de marche associer donc plusieurs fois le clip pour avoir donc un cycle de marche beaucoup plus long ici à partir d'une base bien entendu classique et de faire une marche complète. Ok. Et enfin la dernière fonction ici, le quatrième clip, c'est le hold qui permet de, comme son nom l'indique, de bloquer. Hein, ça veut dire qu'on va bloquer ici. Mais c'est maintenu bloqué par rapport à tout à l'heure où on n'avait rien. Ici, la pause est bloquée. Ça veut dire que si on veut associer avec un autre clip, eh bien on partira de cette pause-là. Ça peut être intéressant pour associer donc. Et on peut imaginer venir bloquer avant, éventuellement, selon ce que l'on a donc besoin de faire ici, sur une durée bien sûr, qui reste à déterminer ici en tirant donc sur la fonction hold ici. Ensuite, on va avoir donc la possibilité de cuter le clip si on veut le séparer en deux. Alors, pour le cycle de marche, ce n'est pas très intéressant, mais je monte la fonction, hop, et on a donc deux clips. Éventuellement, si on veut donc hop, mettre une pause ici et repartir, hop, voilà, ok, il pose et il repart, il pose et il repart, voilà, par exemple une utilité ici. On va avoir deux autres petites icônes, c'est le trim ici qui permet donc de venir, si on veut démarrer un peu plus tard, de trimmer donc au before ici, ok, voilà, on va démarrer donc ici. Et puis after, ici, on va cuter. Ici, alors comme on a fait un clip, je fais marche arrière, je recolle mon clip, voilà, ok, ici, on, hop, voilà, et after, ici, et voilà, on a cuté de part et d'autre ici. Donc c'est un peu la même fonction qu'on a vu de trim sur la précédente icône. Voilà un peu les fonctionnalités. Il y en a d'autres, bien entendu, ici de gestion donc des clips. Encore une fois, on retrouve donc pas mal d'informations donc dans l'attribut editor en termes de gestion de clips. On a donc la possibilité de venir retravailler tout ça dans ces paramètres d'attribut editor de manière précise si on veut rentrer des valeurs de loop et de durée de clip et ainsi de suite. Ok. Donc ici on vient de rajouter donc un nouveau clip Knife ici qu'on peut qui est venu sur le track 2 et donc on voit voilà ce que ça donne ici, c'est une pause donc prêt à fighter éventuellement et donc il marche et ensuite on le mettrait dans cette pause là. Donc ici on, ce qu'on voit le problème qui arrive c'est que il se recale donc sur sa position initiale après le walk-in ici qu'il a réalisé et donc on peut
venir berger éventuellement pendant qu'il marche, il se voilà. Mais le problème, c'est qu'il recule ici sur sa position donc d'origine du clip ici. La transition peut éventuellement morphologiquement bien se passer, mais on va avoir un problème donc de positionnement ici. Donc une des solutions possibles, c'est d'utiliser la fonction relocate ici, pardon, create relocator pour le clip en question ici. On va obtenir donc une petite flèche ici sur le côté. On va obtenir donc une sorte de locator ici dans l'outliner, knife ici, relocator, et on va pouvoir donc repositionner donc notre élément ici. Donc on va le séparer par exemple ici, et on va venir donc sur la position finale ici de notre cycle de marche par exemple, hein. On n'a fait qu'un cycle, et venir positionner donc notre relocator ici. Ok, voilà. Et donc, oups, voilà, ok. Et donc, on va pouvoir, voilà, il se met en place. Donc, avec plus ou moins, donc, on choisira le bon moment, dans le sens où on pourra donc venir rajouter donc éventuellement plus de transition ici, voilà. Et choisir le bon moment donc éventuellement dans la transition pour qu'il se positionne ici. Ok. Donc cette fonction de relocator ici est super intéressante dans le sens où rapidement on peut comme ça merger donc deux animations de clip ici sur un même track. Donc à ce moment-là, on n'aura plus qu'un seul track. On pourra enlever delete track, celui d'en dessous ici. Et ce que l'on pourra faire au final, c'est venir donc baker avec la fonction bake ici, bake to new clip ici, bake to new clip and delete, ce qui va permettre donc d'obtenir un seul clip baker ici. Il faut sélectionner tout l'ensemble, pardon, bake new clip and delete ici, c'est relu, et on n'a plus qu'un seul clip ici que l'on peut donc sauvegarder, conserver et réutiliser donc avec de nouveaux clips au fur et à mesure. Donc voilà une présentation rapide du Time Editor ici. Bien entendu, il y a plein d'autres fonctionnalités que l'on ne peut pas voir ici dans ce cours, dans cette courte présentation ici. Ça fera l'objet, bien entendu, d'autres tutoriels du jeudi.